Nang's Reborn. Wouah! Yes! Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nang's Reborn. En dessous de cette vidéo se trouve s'abonner. Si vous n'êtes pas encore abonné, ne vous inquiétez pas, vous pouvez cliquer là-dessus. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour l'activer parce que nous entrons dans une autre dimension. Nous voyons des choses extraordinaires, de belles choses, des choses qui vont nous choquer. Nous voulons que vous nous accompagniez dans cette aventure. Mes frères et sœurs, ça va être chaud. Aujourd'hui, nous nous intéressons à un truc vraiment étrange qui s'est produit. Qu'est-ce qui s'est produit? Voici ce qui s'est passé. Un jour, un homme entre chez lui, il a surpris sa fille avec des rouges à lèvres. Et comme un bon père, il a posé la question à sa fille, mais pourquoi est-ce que tu as pris ces rouges à lèvres? Et nous rappelons que sa fille, elle a moins de 5 ans. Et sa fille également, elle a beaucoup de poupées à la maison. Et quand il a posé cette question à sa fille, on peut dire moins de 5 ans, sa fille lui a dit que ce n'est pas elle. Et c'est que c'est plutôt la poupée qui est à côté d'elle qui lui a demandé de le faire. Ah! Je suis surpris, je suis étonné. Et quand son père a entendu cela venant de la bouche de sa fille, il avait même du mal à y croire. Tout de suite, il a pris une caméra et il s'est mis à filmer la scène et poser des questions à la fille. Cette vidéo se trouve sur Nang's Reborn. Mes frères et sœurs, c'est assez choquant. Allez sur Nang's Reborn, écrivez juste poupée dans la barre de recherche de YouTube de Nang's Reborn et vous allez voir cette vidéo. Nous allons faire une vidéo, nous allons faire en réaction, vous filmez cette fille. Comment se fait-il qu'une poupée arrive à parler à une fille? Tout simplement parce que le diable possède des objets. Et quand on parle des rouges à lèvres, des produits de beauté, ce sont des choses de ce monde. Même Dieu lui-même nous dit quoi? Il nous dit, n'aimez point le monde ni les choses de ce monde. Parce que celui qui aime le monde, l'amour de Dieu n'est point en lui. Et il nous dit encore, ne vous affectionnez pas aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Et toutes ces œuvres, ce sont des œuvres qui nous attirent. Ce sont des choses qui brillent. Et ça se trouve où? Ça se trouve dans notre monde. On ne peut s'en passer. On regarde ça comme ça. Ah, la fille, la scène star, qu'elle met ça sur ses lèvres comme ça. C'est joli. Ah, la rouge à lèvres, c'est joli. Mais le problème ici, c'est que le diable et ses démons, la plupart du temps, ce sont eux qui inspirent les gens à créer de tels objets. Est-ce qu'avant ça existait? Avant qu'une femme mettait même ça sur ses lèvres, même là, ça énervait les gens. Mais aujourd'hui, là, comme les célébrités l'ont fait, ils l'ont mis sur elle, donc tout le monde peut l'utiliser facilement. Mais ce que toi tu dois rechercher, c'est ce que Dieu veut pour toi. Est-ce que la rouge à lèvres est une bonne affaire? Un jour, nous avons également reçu un témoignage où une fille qui nous a dit que les rouges à lèvres viennent du monde des sirènes. Et le rouge à lèvres, est censé représenter le sang humain. Hein? Vous pouvez croire comme ne pas croire. Mais ce qui est sûr, c'est que les faits sont réels. Et les images que nous allons vous présenter ici en durant sur le sujet. Est-ce que vous êtes prêts à y aller? C'est parti pour l'aventure. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Oh! Let's go! Bon, voici la première manière, frère et soeur. Regardez ça. Nous sommes de retour, mes frères et soeurs. C'est extraordinaire. Que voyez-vous? On voit tout simplement des lèvres. Et en dessous, on peut dire sans même risque de se tromper qu'on voit des rouges à lèvres. Donc, les lèvres et les rouges à lèvres, ah,
Mes frères et sœurs, qu'est-ce qui ne va pas? Regardez ça. Ah, ça, c'est les lèvres qui sont rouges. C'est du marron pour le premier. Deuxième, ça tire sur le rouge. Après, ça tire sur le marron. En bas, ça tire sur le violet. Après, ça tire sur quoi encore? Ça, c'est quoi? C'est du marron. Ça aussi, c'est quoi? C'est du rouge. Et voici les rouges à lèvres qui sont bas. Ah! Est-ce que vous n'avez jamais vu ça? Mais frère, ça, bien sûr que oui. Bon, peut-être tu as dit que on s'est trompé. Regarde ça. Quand on ouvre le flacon, on voit ça. Quand tu ouvres la tête, tu vois ça. On met en haut 55 dièses. Je ne sais pas ce que ça signifie. Vous pouvez nous dire ce que ça signifie dans la partie commentaire. Et différentes couleurs. Différentes couleurs. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de savoir mais comment on fabrique de telles choses? Ce sont des produits cosmétiques, ce sont des produits chimiques. Et ce sont des produits chimiques qu'on se met sur les lèvres. Ah, tu vas mettre un truc pareil sur tes lèvres comme ça. Tu vas mettre un truc pareil sur tes lèvres comme ça. Ah, mon frère, ma soeur, qu'est-ce que ça va donner? Mais qu'est-ce que ça va vraiment donner? Regardez. Eh, mais regarde, hein. Mon frère, elle nous regarde. Ma soeur te regarde. C'est pas ce que tu fais. Ah, posons-nous la question de savoir, mais comment ça se fait? Et ça, c'est devenu un rituel. La femme, là, tant qu'elle ne met pas ses rouges à lèvres, elle ne peut pas sortir de la maison. Tant qu'elle ne met pas ses make-up, toutes ses décorations, elle ne peut sortir de sa maison, même se faire filmer. Ah, c'est devenu bizarre. C'est devenu trop bizarre. C'est devenu trop compliqué à faire des rouges à lèvres. Et puis, si tu touches son rouge à lèvres, aïe, 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 aïe. Si elle va te tuer, Ouh, mon Dieu. Regardez ça encore. C'est pas tout, hein. Regardez ça. Quand elle a fini de mettre ce rouge à lèvres, elle monte aux gens. Eh, hey, bonjour, je suis jolie. Regarde-moi. Ah, c'est joli. C'est mignon. Aïe, 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 aïe. Regardez ça comme je suis jolie. Aïe, 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 aïe. Et on fait quoi? On lève la tête. Comme ça. Et on monte les lèvres. Regarde mes lèvres. Mes lèvres sont comme pour la fille qui se trouve à la télévision que tu vois toujours là. Ça veut dire qu'en ce moment-là, on cherche à faire quoi? On cherche à faire plaisir aux gens. Les gens vont dire, moi, si je cherche, ça me fait plaisir d'abord. Mais c'est sûr. Mais aussi, les gens vont se faire plaisir en te voyant très belle comme ça, avec des rouges à lèvres. Est-ce que ça vient de Dieu? Est-ce que ça vient de Dieu? Nous vous disons ici que les démons ont fabriqué toutes ces histoires. De toute façon, vous ferez qui a fabriqué cela. Regardez ça encore. Waouh! Regardez ce qu'elle fait avec sa langue. Mais regardez ce qu'elle fait avec sa langue. Donc tu as mis le rouge à lèvres là, c'est pour faire ça. C'est pour nous montrer ta langue et puis fermer un seul œil comme ça. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est censé représenter ici? C'est censé représenter ici la séduction. Là, elle est en train de séduire quelqu'un. Elle est en train de te séduire et t'amener à faire quoi? À accepter le démon. Pourquoi? Pourquoi on dit ça? Regardez bien. Posez-vous la question de savoir, mais pourquoi elle a fermé un œil et ouvert un œil? Et pourquoi beaucoup de célébrités ferment un œil aussi et ouvrent un œil? C'est parce que c'est répandu, c'est populaire. Et ça signifie quelque chose. Cet œil qui est fermé et l'autre œil ouvert. Cet œil qui est là, juste là, c'est un œil qui a la possibilité de voir dans le monde invisible. Et on l'appelle même l'œil de Lucifer. Certains même vont loin pour dire que c'est l'œil du diable. Tout clair. Et quand on fait ça, c'est juste pour montrer que nous sommes des sorciers, ou notre appartenance, ça montre notre appartenance à Lucifer, ou encore au démon. Ah! Donc il y a un lien entre tes rouges à lèvres qui sont là, ou encore la séduction, et le diable. Donc il y a un lien entre les deux. Il y a décidément un lien. C'est pas un hasard si nous vous montrons toutes ces choses, mes frères et sœurs. C'est pas un lien, c'est pas un hasard. Et quand vous regardez, les choses sont tellement simples, ça a l'air simple. Regardez la couleur que cette femme a utilisée, c'est du rouge. Regardez ce que ça donne. Est-ce que ce n'est pas beau? C'est joli, mais ce n'est pas elle, ce n'est plus elle.
ce n'est plus sa beauté naturelle, c'est plutôt autre chose qui est là. C'est une autre personne. Regardez vous-même. Waouh! Et moi, je suis étonné. Et moi, je suis dépassé. Et comme vous pouvez le voir dans cette image aussi, on voit également un seul œil avec différents bouges à l'œil. Posez-vous la question de savoir pourquoi c'est un seul œil. C'est tout simplement parce que le diable est là. C'est un signe qui appartient à certains. C'est comme s'ils sont sur ce signe. Quand on voit ce signe, on se dit quoi? Quand on voit ce signe, on se dit tout simplement que le diable est déjà là. Le diable est déjà présent ici. Et c'est une œuvre du monde des ténèbres, comme nous dit la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Là, vous allez comprendre. Regardez, elles ont des lèvres qui sont roses. Ah! Regarde tes lèvres, mon frère, regarde tes lèvres, ma soeur. Ah! Est-ce que tu es sûr que Dieu apprécierait que ses enfants s'affectionnent ou encore aiment les choses du monde des ténèbres? Ou encore les choses créées par les démons? Les articles créés par les démons? Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Est-ce que c'est pas joli? C'est joli. Regardez comment la femme elle est belle. Ah, mais regarde ses lèvres. Est-ce que vous avez déjà embrassé une femme avec de telles choses? Je sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que si elle vous a fait une bise ici, vous allez voir que si ses lèvres, si ses lèvres étaient rouges, vous allez voir que il y aura les traces de ses lèvres sur votre joue. Et ce qui est étrange, c'est que Dieu a créé chaque chose pour un but. Il a créé toute chose pour une raison. Et ce qui est étrange, c'est que dans l'eau, là, dans la mer, dans les océans, il se trouve un poisson qui a lui aussi des lèvres rouges. Exactement comme ça. Rouge. Comme ça. Y a-t-il un lien? Ça, c'est possible. Est-ce que vous êtes un poisson? Si les gens mettent des triches, c'est même ainsi même que nous amène à penser que, effectivement, ce sont des choses qui viennent du monde des eaux ou encore du monde sous-marin. Là-bas, où les démons sont bien positionnés en train de compléter la vie des gens. On nous dit même, des gens ont dit des témoins pour nous dire que sous l'eau, là, il y a une des usines là-bas. Et ces usines qui sont là-bas, ils fabriquent ces produits pour venir les vendre sur la terre au travers des gens qui sont déjà ici. Regardez. Et regardez ça. Waouh. Et il y a des personnes même qui vont même plus loin. Et ils vont même à mettre des rouges à lèvres sur le cadavre des gens qui sont décédés. Et quand on a posé la question, ça ne peut pas mettre des rouges à lèvres sur son cadavre. Il dit, mais elle-même de son vivant, elle passait tout son temps à mettre des rouges à lèvres. Donc elle est morte, elle met des rouges à lèvres, peut-être elle va aimer. C'est pas possible. C'est la vérité. Mais d'où viennent les rouges à lèvres? D'où viennent des rouges à lèvres? D'où ça vient? Qui a l'origine de toutes ces histoires? Et pourquoi les gens sont accros à tous ces produits de beauté? Or, ce sont des choses quand même qui se trouvent dans ce monde. Ah, est-ce que je ne suis pas beau? Bon, c'est vrai que moi-même, mes lèvres sont un peu rouges. C'est comme ça, c'est naturel. Mes lèvres sont... Ou mais c'est rose, je ne sais pas comment toi tu appelles ça. Mais ma soeur, si tes lèvres sont déjà roses, ça te fatigue encore pour mettre rouge à lèvres. Ou mais tu as dit que tes lèvres sont roses, ça ne te plaît pas. Tu vas mettre des rouges à lèvres noirs. Plus noir que noir. Un noir de minuit. Plus noir même que le casque. Comment tu vas devenir? Ma soeur, nous allons te dire, mes frères et soeurs, nous allons vous dire, ce sont des choses qui viennent du monde des ténèbres. Et nous n'avons pas besoin de ça. Nous devons faire attention. Et quand on parle des choses qui viennent du monde des ténèbres, c'est réel. Regardez comme cette femme, elle est belle. Quand tu vois une femme comme ça, qu'est-ce que tu dis? Tu dis qu'elle est vraiment belle. Mais nous allons te dire que des femmes ici, de ce monde-là, pour être plus belle que belle, elles ont décidé d'aller signer des pactes avec le diable, même de prendre des colliers comme ça. Des colliers qui viennent du monde des ténèbres, des sirènes. On a même un témoin sur ce monde qui parle de ça. Ah! Et quand elle prend de ces colliers-là, elle brille comme ça. Elle devient très belle. Et quand vous la voyez, vous pensez que c'est sa beauté naturelle. Non! Sa beauté-là, elle n'est plus ordinaire. Tout simplement parce qu'elle a une chose
une femme qui est un démon qui se trouve sur elle. C'est une sirène. Cette sirène est belle. Donc quand elle, elle porte cette chose, elle met cette chose sur elle, elle incarne la beauté de cette sirène. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont en train de se balader sur la terre. Et les femmes qui sont en train de se balader dans la ville, elles incarnent la beauté des sirènes, des démons. Mais elles ne savent pas. Ça veut dire que quand tu la vois, c'est pas elle, tu vois, c'est le démon là que tu vois et c'est ce démon là qui va t'attirer vers elle. C'est pourquoi il y a certaines personnes qui vont se voir des filles, parfois mais se marient, mais dans le jour où elle aime ses mecs, toutes ces histoires, ils sont dessus. Dis-moi, mais qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que c'est la femme que j'ai mariée? Si elle s'était présentée à toi, à la naturelle, tu ne serais pas dessus, tu aurais accepté comme elle est. Ma soeur, fais attention. Fais attention. Et puis le produit de beauté, ça pèse aussi la joue. Hein. Ça pèse la joue. Faites attention. Et quand on parle de sirène, regardez. Si vous ne savez pas, c'est ça une sirène. Une sirène avec une queue de poisson. Ça, c'est quelqu'un qui a une femme qui a juste pour montrer qu'elle aime la sirène. Elle a juste fait comme ça. Ah! Qu'est-ce qui ne va pas avec les humains? Regardez. Elle a de longs cheveux. Et la sirène aussi, elle fait de ses cheveux, hein, les cheveux pour femmes. Les cheveux pour femmes. Ça, c'est ce que nous avons dit. Regardez. Ça, c'est une sirène. Et les sirènes, le diable les présente même aux enfants. Voilà. Est-ce que vous voyez? Quelles sont les caractéristiques de cette sirène? Regardez bien. Sur sa joue, sur ses lèvres. On peut également voir qu'elle a des rouges à lèvres rouges, comme ses cheveux. Et toi, tes cheveux sont rouges. Et tes rouges à lèvres sont rouges. Tout est rouge sur toi, comme si tu te trouvais au paradis. Ah, vous avez de vraies questions, mes frères et sœurs. Regardez. Et les sirènes sont habillées toujours de façon sexy. Cette manière de s'habiller de façon sexy, ça vient des démons, mes frères et sœurs. Nous devons vous le dire. Et les gens veulent imiter les sirènes. C'est la même chose aussi à... avec les vernis à ongles, toutes ces histoires, même les trucs là, les bijoux, des femmes même se mettent des bijoux, ce sont des faux dieux que les gens ont sur eux, et ils ne le savent pas, regardez comment elle est, est-ce qu'elle n'est pas belle? Elle est plus belle que belle, mais nous voulons te voir belle à la naturelle et t'accepter comme tu es, si telle beauté, ce n'est pas naturel, c'est la beauté des démons. Du genre, tu fais un pacte avec un démon comme ainsi, et le démon te promet la beauté. Et le fait que tu passes chaque jour devant le miroir, là, c'est comme si on va dire que tu es en train de faire un rituel. Même. Vous voyez, non? Vous voyez, c'est pas de la blague. Ces choses sont plus réelles que réelles, et les gens veulent à tout prix ressembler au démon. Il serait cet démon. Regardez. Ah! Mais qu'est-ce qu'il y a là-bas? Qu'est-ce qu'il y a même? C'est plus réel que réel. Regardez ça. Aïe, 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 aïe. Est-ce une femme ordinaire? Oui. Est-ce que c'est une femme ordinaire? Regardez comment. Est-ce que c'est un déguisement à porter? On a du mal à croire même que c'est une femme ordinaire. Mais ce que je suis, c'est que c'est elle où il y a les rouges, j'enlève également sur elle. Mes frères et sœurs, réveillez-vous. Regardez son corps. Les gens veulent tellement ressembler au démon. Regardez. Elle aussi, elle a la même queue de poisson. Ah! Regardez ça. Et elles sont belles. Les sirènes aussi sont d'une beauté extrême. Hein? Pour résister à une sirène, il faut jeûner pendant 7 jours. Et c'est un sataniste qui nous l'a dit. Il dit qu'elles sont tellement belles qu'elles sont irrésistibles. Et la queue de poisson que vous êtes même en train de voir là, c'est une queue qui apparaît quand elle veut nager, qu'elle doit nager et entrer dans l'eau, venir à la surface de la terre. Mais quand elle arrive dans son monde, elle fait des incantations et elle a des jambes comme une femme de notre monde, une femme ordinaire. Et vraiment, c'est grave. Pourquoi les femmes de ce monde veut-elle ressembler aux sirènes? Je ne sais pas. Mais elle a déjà pris le cœur de beaucoup de femmes. Beaucoup de femmes. Regardez ça. Waouh! Mes frères et sœurs, ces choses sont réelles. Si vous voyez des célébrités le faire, c'est pas pour rien. Ces choses sont réelles et ça vient de quelque part.
ça vient du monde des ténèbres, du monde des sirènes. Est-ce que vous voulez vraiment ressembler au démon ou encore avoir quelque chose qui vient du monde des ténèbres? Si vous voulez faire, sachez que vous êtes en train de pécher. Parce que Dieu lui-même, sa parole nous a dit, ne vous affectionnez pas aux œuvres mauvaises et ténèbres, mais condamnez-les. Toutes ces choses qu'on vous montre là sont accompagnées par des démons, sont accompagnées par les esprits impurs. Les démons même les possèdent. Et toutes ces choses sont les choses de ce monde. Toi, tu es une vraie chrétienne. Moi, je te dis, il ne faut pas faire semblant comme si tu n'es pas au courant. Il ne faut pas faire semblant comme si tu ne le sais pas. Aujourd'hui, là, tu t'es informé. Mon frère, partage ça à ta femme. Si ta femme a décidé, grâce à ce message, de changer tout et de revenir à la naturelle, il faut l'encourager. Il faut lui dire que tu es jolie. Faut pas aller chercher femme pire. Toi, tu regardes cette vidéo là. Fais attention. Encourage ta femme sur la bonne voie. Et Dieu lui-même va te bénir pour ça. Que Dieu bénisse, frère et soeur. Prenez soin de vous. N'oubliez pas d'écouter ce jeune quand vous serez touché par ce témoignage, par cette histoire. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas aussi de regarder cette vidéo où cette fille là de 5 ans a révélé à son père que sa poupée lui a dit de mettre tous ses rouges à lèvres. Quand une poupée te dit de mettre un rouge à lèvres, tes parents t'interdisent de le faire. Qu'est-ce que ça t'amène à faire? Ça t'amène à désobéir à tes parents? Est-ce que c'est ce que Dieu veut pour nous? Non, mais c'est plutôt ce que les démons veulent pour nous. Arrêtons ça aujourd'hui et pour nous changer sur la bonne voie. Que Dieu bénisse tous les soeurs. Merci pour nous. Connaissons-nous. Waouh, c'est extraordinaire! Mes frères et soeurs, pour ne pas manquer nos prochaines vidéos, veuillez cliquer sur s'abonner si ce n'est pas encore fait. Cliquez sur la cloche pour l'activer. Et si vous voulez faire le don pour nous soutenir, c'est possible. En dessous de cette vidéo, c'est toutes les informations qu'il vous faut pour faire le don. Vous pouvez faire le don via Western Union ou encore PayPal. Waouh! La suite.